Je veux pas que tu lui mettes un bout de crotte sur la tête, hein. Ça quand même, on respecte un peu les jeunes filles, d'accord? Aujourd'hui, on tente une expérience que j'ai déjà vécue, mais niveau extrême. Lors de ma dernière expérience, vous avez été nombreux à douter de mes compétences maternelles. 12 plus 18, ça fait combien? 9. 9? 9. Alors aujourd'hui, je prends ma revanche et je vais vous montrer que le métier de parent ou de babysitter n'est pas franchement pas si compliqué. Je vais passer la prochaine journée dans la peau d'une babysitter de 3 enfants qui ne me connaissent pas, dans une maison que je ne connais pas. Demain, à mon réveil, rendez-vous avec Jacob, Chloé et Hayden, une nouvelle star TikTok de tout juste 2 ans. Est-ce que tu étais en train de manger le carton? Non. T'es pas en train de manger le carton? Bah non. Vous pouvez le retrouver sur TikTok, Instagram et tout nouvellement sur YouTube. Et si vous ne faites toujours pas partie de la famille, bienvenue. Ici, on vit des expériences tous les dimanches complètement déjantées. Alors, vous pouvez vous abonner juste ici. Allez-y, l'aventure commence bientôt. C'est parti! Je me demande encore qui sont les 3 merveilleux parents qui ont accepté que je garde leur enfant pendant toute une journée. Et aujourd'hui, je me trouve à 7 minutes de la ville de Québec dans une superbe villa. Eric nous a accueillis et la maison est disponible en location sur Airbnb pour passer un séjour de rêve. Donc le lien se trouve juste en barre de description si jamais vous aussi ça vous tente de découvrir un petit endroit paradisiaque. Je suis à quelques minutes d'aller rencontrer les 3 enfants qui vont être à ma charge. Je vous dis, ça va pas être de la rigolade. Aujourd'hui, je ne me laisse pas marcher sur les pieds. On va instaurer l'autorité. C'est qui décide? C'est Bibi et c'est Tata Dédé, les amis. Salut les amis, vous allez bien? Ouais, ça va super. Aujourd'hui, on n'est pas des novices, c'est moi qui vais décider, c'est moi la babysitter aujourd'hui. Au niveau des règles, c'est pas la rigolade du tout. Ça va être moi qui décide. On va manger, on va apprendre, on va se cultiver et on va devenir des artistes en herbe, ok? Pas du tout, on va pas du tout monter dans les arbres. Nous, ce qu'on veut, c'est atteindre la lune, ok? On vise toujours le top, les amis. Ça marche? Ouais, on va viser le top aujourd'hui. On va faire quoi? Mais je viens de leur dire, on vise le top, c'est pas compris ou... Quoi? T'as les bouclettes? Je veux qu'on soit des guerriers de la vie. Il y a le soleil, ouais. Ouais, ouais. Je sais pas si j'arrive à leur faire comprendre la leçon. L'autorité, là, elle est zéro. Hayden, un petit peu de discipline s'il vous plaît. Hop, on s'assoit là. Ok, vas-y, va t'asseoir. Oui, très bien. C'est pas tout ça fait là que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Première activité de la journée, est-ce que ça vous dit de cuisiner? Ouais. Ça te dit de cuisiner, Hayden? Oui. On cuisine, Jacob? T'es pas sûr? Bah, écoute, c'est parti, on va cuisiner. Vous avez vu, c'est un petit mouton là. Quel bruit il fait, le mouton? Et la vache, elle fait comment? Oui, et le chat? Le chien. Ah oh ouais, et le loup? Parfait, et maman elle fait quel bruit? Maman elle fait quel bruit? Ah oui. La tortue elle fait quel bruit, la tortue? Et ça je vous embouche un coin avec cette blague, hein. Elle fait pas de bruit, voilà. Les deux, t'arrives à les prendre? Oui. Yes. Et tiens, il y a ça. Hop, tiens Chloé, merci. Génial, le paradis. Mais pour faire la cuisine, il faut se... Et voilà, Chloé elle fait tout, laver les mains, bien sûr. Hop. Et voilà. Allez, frotte, frotte, frotte. Il a été trempé, merde. Hop, voilà. Yes. Attends, j'ai pas de serviette. Attends, Jacob, hein. Ok, on va prendre le sofa à l'index. Tiens. Whist. Hop. Attends, assieds-toi là. Parfait. Frotte, frotte, frotte. Ouais, c'est froid? C'est trop trop froid? Comme mamie maintenant. Comme mamie? Oui. C'est froid comme mamie? Oui. Ah. Bon, eh ben écoute, j'ai hâte de rencontrer ta grand-mère. Oh, il essuie par terre. Merci mon chaton. Mais c'est du tout inclus, ces enfants, je vous l'ai dit. Avec moi, ça roule. Fais le ménage et la cuisine en même temps. Donc, on fait les petites, on prend les petites tomates et on va les mettre là-dedans. D'accord, les tomates? Tu arrives? A few moments later. Non, 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 pas avec les... Tu t'es fait mal? Non. Mais non, les dents, les pauvres. Tiens, hop, tu les mets là-dedans.
Ouais, trop bien. Bravo, tape là. Oui, tape là. Mais alors, tu les manges à moitié? T'as trop faim. C'est pas grave, mange-en si tu veux. Non, c'est du haricot. Il a trop faim. C'était bon ou pas? Ah, mais tu l'as remis dedans? Oui. Et c'est lequel que t'as mangé? Ah merde, je sais pas. C'était pas bon? Oui, c'est bon. Ah, c'est bon. On n'a pas fini encore à 100% de faire à manger. Tu veux aller relax dehors, toi? Oui. On n'y va pas encore, d'accord, Aiden? On finit de faire à manger. Tu viens? Ok. Allez, j'ai cru en perdre un. On se concerte, esprit d'équipe. Un pour tous et tous pour un. Le gros fiche. Un pour tous et tous pour un. Wow! Bravo! Je vous mets Netflix et moi je prépare à manger, tranquille. C'est parti, Clo, tu viens, on va faire manger. Qu'est-ce que tu fais? Je joue. Tu joues? Oh, boum. Ah oui, d'accord. C'est la folie. Les amis, je commence à être un peu désespérée, ça fait une heure. Génial, le repas il est prêt, yes. Ok, on est prêt? Oui. Mon bon de merde. J'ai goûté et puis c'était très chaud. Est-ce que c'était bon? Oui. C'est que oui. Vous êtes prêts pour manger? C'est trop chaud. Attends, c'est chaud. Papa, il est pas là, mon chat. Non, ça c'est papa, par contre, derrière la caméra. Ou alors, il va falloir que je parle à ta mère parce que c'est papa. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. C'est bon? Oui. Oh, tant mieux. C'est bon? Bon, on n'est pas trop sûr. C'est quoi ça? Des brocolis. Non, c'est pas des brocolis. Bien essayé. Ça c'est quoi? Non. Ça c'est des patates. Ça c'est quoi? Haricots. Non. Patates. Non, tu l'as dit tout à l'heure. Hein. C'est un autre mot. Brocoli. Ouais. Ça c'est quoi? Patates. Non. Ça c'est quoi, Chloé? J'ai une chance que tu suis. Moi pété. Mais t'as pété là? Mmh. Ici t'as pété maintenant? Mmh. Ah mais ça a pué? Oui. La couche elle est pleine? Non. Ah. Elle est pleine de pipi. Ah, elle est pleine de pipi. Faut la changer après la couche? Oui. Toi Jacob, elle est pleine la couche? Ah. Ça fait caca? Ah. Ah toi tu prends ma patate direct. Ah. Ben vas-y. Patate. Ouais. Tu veux une patate aussi? Cachée. Ouais, elle est cachée, ouais. Ah, toi, tu finis par manger la serviette. Tout va bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais, Aiden? Pourquoi tu manges la serviette? Ça, voilà. Mais non, mais il faut pas... Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Mamie, elle mange la serviette? Non. Ah, c'est juste toi. Papa, maman, ils mangent la serviette? Non. Ah. Moi. Juste toi. Bon, pourquoi tu manges plus? Pas t'as plus faim? Non. Bon, mais faut attendre que Jacob, il ait fini, parce que Jacob, il a encore faim. Chloé? Elle est où, Chloé? Je sais pas. Chloé? Va te chercher, Guillaume. Chloé? Ah mais t'es là? Mais tu fais quoi? Moi, oui. Tu t'ennuies? Oui. Tu l'as trouvée? Ouais, elle est en haut, elle dit qu'elle s'ennuie. Comment ça, elle est en haut? Elle fait quoi? Elle est couchée sur le lit. Putain, ma mère, je suis la pire babysitter. Je suis pas bien comme babysitter? Non. Aiden, t'as fait caca? Oui. Direct après le repas, je suis ravie. Ah ça sent, il y a Chloé qui me dit que ça sent la merde. Oh, je gère plus rien là, je me laisse dépasser par les événements. On change la couche hein, tu me fais pas caca dessus hein? Non. Non, ok, ça sent le caca hein? Ça moi caca non. C'est toi, ça sent le caca? Mmh. Ça c'est dans quel sens? Attends, parce que moi je suis pas trop habituée là. On repart? Yeah. Et voilà. Attends, la couche elle est bien mise? Oui. T'es sûre? Oui. Ça pue la merde les gars, c'est horrible. T'as pas voulu faire la sieste? Non. Pourquoi? Moi j'ai fatigué. T'es pas fatigué? Non. Bon, alors on joue un peu? Oui. Ouais. Quoi ça? C'est une crêpe solaire. C'est à moi? Bah oui. C'est des beaux mollets ça. Oui. C'est des belles cuisses. J'ai beaucoup de cuisses? Non, tu as pas de cuisses. Ah, j'ai pas de cuisses. Merci. C'est gentil, Aiden. Tu sais parler aux femmes, toi. Ouais, déjà. Tu sais parler aux femmes, toi. Oui, j'ai des seins et j'ai pas de cuisses. La pâte à modeler que je vous ai réservée. Hein? C'est celle-là. T'aimes bien cette pâte à modeler? C'est un caca? Non. Non, c'est un caca avec des yeux. On va faire des crottes de luxe. Qu'est-ce que c'est?
Tu dors? Allô? Quoi? Réveille-toi, il y a personne qui est sur veille. Mais là, moi, j'en peux plus, là. Genre, je suis épuisée. Bah, lève-toi quand même, allez. Les gars, merde, c'est épuisant, sérieux. Au début, j'étais là, ouais. Faire l'autorité, c'est eux qui guident ma vie. C'est horrible, c'est eux qui guident ma vie au complet. Tata Dédé arrive. Là, je suis épuisée. Il faut les épuiser. Parce que là, moi, je vais pas finir la journée, je vous jure. Donc, objectif, les épuiser au complet. C'est qui le roi de la crotte? Ça, c'est une crotte de compétition, ça. Hein, on en fait une tous les deux? Oui. Oui, allez, viens, on fait une belle merde. Viens. Ça fait comment? Quoi, moi, je m'appelle comment? Oui. Mais t'as déjà oublié? C'est ta Dédé, moi. C'est moi? Oui. Ouais. Oui. Ah non, ah, bah, putain. Il va finir par tuer quelqu'un. Aiden, là, on te voit. Le couteau, merci beaucoup. Ah, ça sort. Putain, c'est satisfaisant ce truc. Quelqu'un s'assiste le sol. Bon, moi je fais une petite sieste, hein. Vous me réveillez quand c'est l'heure? Qu'est-ce que tu fais? Tu mets du caca dessus? Oui, je mets du caca dessus. Vive la vie. Ça va bien? Oui. Ok, tu passes une belle journée? Oui. C'est moi la meilleure babysitter? Oui. Yes, tape là. Coronavirus, toi, ça va? Comment tu te sens vis-à-vis de ça? Pas terrible, hein? Non. Bah non. Confiné, porter le masque et tout, c'était pas terrible. Les lunettes. Ouais, les lunettes et tout, là, il y a la visière, et laisse tomber, mais quoi. Mais pas la bouche. Ah bah non, ça c'est sûr, fallait pas mettre les mains dans la bouche. Bah je oui. Je vais le faire toi, mais en version crotte. Ah, tu me fais moi en version crotte. Excellent. Oui. J'ai très hâte de voir. Je veux pas que tu lui mettes un bout de crotte sur la tête, hein. Ça quand même, on respecte un peu les jeunes filles, d'accord? On n'agite pas la crotte partout non plus. C'est pas bien d'agiter sa crotte partout, hein. T'es d'accord? Oui. Bah ouais, c'est bien de la malaxer un peu là, mais bon. T'es réveillé, Jacob? T'as bien dormi? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qui c'est qui veut aller au parc? Moi. Jacob, tu veux aller au parc? Là, moi. Oui. Yes. Schlack, schlack. Schlack, schlack, schlack. Ouah. Ouh. Yes. Qu'est-ce que tu fais, Aiden? Tu manges la pomme? T'as faim? T'as faim? Oh ben j'arrive. T'as faim, Jacob? Mais ils font juste bouffer ces enfants, c'est pas possible. Chloé, t'as faim? Un petit peu? Oh là là. Mais c'est l'heure du goûter, quoi là? On n'aura jamais le temps d'aller au parc, hein. Moi, je suis sur la table. Ouais, toi t'es sur la table direct. Ça va, t'es bien là? Ouais. Ouais, ok. Moi j'en prends une aussi. On en prend une? Ouais, on fait chin? Oui. Chin. Tu fais pas de chin? C'est trop bon. Ah ouais. En fait, on fait juste bouffer toute la journée. Moi, je suis dépassée. Hein. Je suis dépassée complet. Hein. On est prêt pour aller au parc? Oui. Chloé, tu nous indiques? Tu sais pas où c'est? C'est à droite. Vous me dites hein, si j'avance trop vite, les petits. Heureusement qu'elle est là. Chloé, c'est la boss. Oui. Oui. C'est moi la boss. Non, c'est Chloé la boss. C'est moi. C'est toi? Ouais, c'est l'avion. L'avion. Allez, on y va. Ça fait 35 minutes là pour faire 3 mètres là. L'avion. Ouais, l'avion, ça va vite. Ouais, il accélère. Yes. Suivez l'avion. Oui. Yeah, t'es content? T'es content? Oui. Putain, il y a 3 enfants à surveiller au parc. Il y a même pas de barrière au parc. Laisse tomber l'activité. C'est sûr, c'est l'activité de tout repos quoi. Il y a l'ambulance. C'est pour nous. Les gars, je sais pas du tout par où les surveiller. Ça va Chloé, ça se passe bien? Ouais. Ok. Voilà, tu tiens, voilà. Yes. Oui, va là-haut, Jacob. Yes. Ah, il m'a explosé la main. Aiden, ça va? Trop cool. Wouh. Yes. Super. Je suis épuisée, les gars. Tu veux faire la balançoire? Oui. Ok. C'est bon? Tu tiens bien là? Oui. T'es sûr? Oui. Ah, ça va pas assez vite? Non. Eh ben super. Tata Dédé à votre service, les gars. Je vous jure, je suis au bout là, je suis au bout du rouleau là. C'est pas les enfants qui sont difficiles, hein. C'est moi qui suis pas habituée quoi. Plus vite. Oui, Aiden, plus vite. J'adore ma vie. Câlin! Moi, je vous fais un câlin? Oui. Oh, câlin! Oh! Câlin. Tu me fais un câlin? Câlin! Eh oui, et Chloé, elle est pétée. Elle est trop fatiguée.
Non mais on vient de rentrer du parc, je suis complètement pétée. Il y a encore 2 heures à tenir, il va falloir les occuper pendant 2 heures. Hop, hop, hop. T'as pété? Oui. Qui c'est qui a envie de faire de la peinture? Moi. Jacob, t'as envie de faire de la peinture? Oui. Oui, c'est parti la peinture. Oui. Wouhou. Ok, je suis la seule qui s'ambiance pour la peinture. Excellent. Jacob, oh là là, j'ai dit restez assis, c'est quoi cette autorité les gars? Je vous explique, ok? Activité de peinture. Oui! Vous allez me refaire la Joconde à 100%, on est d'accord? Oui! Oui, excellent! Moi j'ai besoin de cash, je vais revendre ça et ça va valoir des milliards. Ciseaux, ciseaux, j'arrive. Oui, un pyjama. Mais non, c'est pas un pyjama, c'est un tablier. On dirait un pyjama. Les amis, vous devez reproduire Mona Lisa. C'est ça le dessin que vous devez devoir faire, ok? Yes? Tu penses que tu vas être capable? L'atelier d'artiste est là. Je les forme à devenir des léonards. Allez-y, de Vinci. Oui, noir. Ah, c'est ça, franchement noir. Un doigt d'honneur en prime. Hop. Jacob, t'es sûr que c'est la Joconde là? C'est un carnage. Oh putain, malheur. 2 hours later. Fini! Atelier peinture, fini! Oui! Yeah. Non, non, ne t'en mets pas sur le visage, mon amour, s'il te plaît. On va tout nettoyer, ok? Oh, il a fait une petite amie. Attends, là, je me laisse dépasser, là, les amis. Là, je commence à devenir très stressée, là. Viens ici, Jacob, viens là. Donne-moi la main. Ouais, c'est pas grave. Non, mais c'est toi qui es sale. Non, mets pas ta main là. Venez. Non. Horrible. Toi, t'en as nulle part? Clo? Nope. Ah bah d'accord, ouais. La Joconde c'était toi finalement. Sérieux là, le travail de parents, mais oublie ça, franchement moi j'en peux plus quoi. Je n'en peux plus, sérieusement. C'est horrible, je suis en train de perdre patience, d'avoir les nerfs, laisse tomber, je n'en peux plus, je vous dis. Donc maintenant, on va faire une activité que moi j'aime. C'est la folie. Allons-y. Maintenant c'est mon activité préférée. Alors les morveux, alors. Yes! Yes! Ça t'a aidé à épuiser? Qu'est-ce que tu fais? Il y en a plus, si, il y en a! J'en peux plus. Et toi? T'en peux plus? On est épuisés, les gars. Les amis, l'expérience vient de s'achever. Il est 18h, je n'en peux plus du tout. C'est éprouvant. En attendant, merci beaucoup à tous les parents et à Jacob, Hayden et Chloé qui ont accepté de venir aujourd'hui et qui se sont prêtés au jeu. Ils ont été au top du top. Et surtout, je remercie énormément Eric pour ce cadre idyllique que vous retrouverez en lien dans la description. Moi, je tire vraiment mon chapeau à toutes les personnes qui ont des enfants ou qui travaillent avec les enfants parce que c'est vraiment cool et ça peut être très vite épuisant. En attendant, si l'expérience vous a plu, mettez un énorme like juste en dessous. Si vous avez d'autres idées d'expériences que vous voulez que je vive avec des enfants ou non, dites-le moi juste en commentaire. Et juste ici, vous pouvez vous abonner en rejoignant la famille. Et juste là, c'est ma dernière vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime.